D'abord, le point commun des trois interventions, c'est finalement où en sont les enseignants dans leur appropriation du numérique dans la classe. Il s'avère que pour l'instant, ce qu'on a observé et ce qu'on a entendu, c'est que manifestement, on est dans une appropriation technique, que l'on commence à voir apparaître l'appropriation pédagogique et que là où il y a un vrai champ d'intéressement à venir et démontré par la troisième intervenante qui nous parlait du mémorial de Caen et d'une expérience en primaire sur le mémorial de Caen, c'est la dimension plus didactique, plus disciplinaire, où l'on voit que, par exemple, pour enseigner l'histoire, un certain nombre de ressources numériques, fussent-elles même sur des réseaux sociaux, deviennent des leviers extrêmement intéressants pour et la pédagogie et la didactique, et en même temps la technique, puisqu'on apprend même à des élèves de primaire à comprendre ce que c'est que s'exprimer sur des réseaux. Et on s'aperçoit que beaucoup d'enseignants, voire même de conseillers pédagogiques, puisque ça a été évoqué, sont réticents, par peur, mais souvent par méconnaissance, par peur de ne pas maîtriser eux-mêmes, par méconnaissance souvent des arcanes de ces outils, mais en même temps par méconnaissance aussi de l'intérêt pédagogique réel. Même si, on le voit à travers les interventions, il y a une certaine, malgré tout, une certaine inquiétude liée au déséquilibre que provoque, et des questions l'ont confirmé, le déséquilibre que peut provoquer l'utilisation du numérique pour les enseignants, mais par les élèves. Des élèves qui viennent vérifier ce que dit l'enseignant, des élèves qui viennent interroger les enseignants sur même leurs compétences numériques, et on voit bien que nous sommes à un moment charnière. D'ailleurs, les enquêtes qui montrent bien, aussi bien en France qu'à Buenos Aires, puisqu'une enquête venait d'Argentine, montrent bien que les enseignants sont au milieu du guet. Pratique personnelle, début de maîtrise, mais que seulement certains ont encore l'accès, ont développé un niveau d'accès suffisant pour pouvoir vraiment l'intégrer dans leur classe, comme ça a été démontré dans la troisième intervention qui portait justement sur l'intégration d'un travail du mémorial de Caen dans une classe d'école primaire du Calvados.